André Sauzer, c'est le numéro un mondial dans la débimétrie, implanté dans les trois frontières. Basé dans le Barycentre, se fait sur la Suisse, à Bâle, à Reina, avec une extension sur Cernay. Aujourd'hui, 600 collaborateurs, une vraie réussite mondiale, depuis 30 ans installée au cœur de l'Alsace. Démarré avec 16 collaborateurs en 1991. Aujourd'hui, 600 collaborateurs, la création d'un campus à horizon 2025. Près de 800 personnes seront dédiées à la débimétrie au cœur de l'Alsace pour couvrir à la fois la R&D, le commercial, la production. Tout ça dans des valeurs d'entreprise et familiales qui permettent de conjuguer la performance et la bienveillance, qui est une des valeurs centrales de l'entreprise. On recrute en permanence. On est une entreprise qui doit gérer de la croissance, une croissance de 7% par an. Ça veut dire tout le temps courir après des nouveaux espaces, la capacité de production, mais également des forces vives qui sont capables de nous aider à concevoir nos produits, aider à les fabriquer, aider à installer de nouvelles machines. Et aujourd'hui, les ressources, elles sont multiples et les besoins sont multiples. Bien évidemment, des profils d'ingénieurs dans tous les domaines. Si c'est l'électronique, on peut les envoyer à Bâle, à faire de la conception. S'ils veulent faire de la R&D ou de l'informatique, c'est pareil. Aujourd'hui, dans la débimétrie, on fabrique des produits de quelques millimètres jusqu'à 2,40 m dans tous les secteurs. Donc, travailler dans la pharma, l'industrie agroalimentaire, etc., fait que les produits sont technologiques, techniques, Swiss made, donc ça veut dire un haut degré d'exigence en termes de qualité de produit, et donc à la pointe de la technologie pour répondre à nos clients. Aujourd'hui, on répond à plus de 5 millions de produits par an, fabriqués à la commande, en spécifique, avec 3 milliards de variantes pour chacun de nos clients. TBM, je connais, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu RH, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans sur Belfort. C'est une université de cœur qui est au cœur du bassin, qui a toujours su s'adapter aux besoins des industries, proposer des étudiants avec à la fois des compétences techniques, mais aussi un savoir-faire et une envie de s'intégrer et coller au domaine économique du bassin.